Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la Big Boss Myriam. Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez si ce serait votre dernier jour sur Terre avant de mourir? On s'est dit, concept, 24 heures avant de mourir, c'était notre dernier jour sur Terre. Myriam, on fait quoi aujourd'hui? Oh, on quitte la France, Mais on a déjà été en Espagne, j'ai pas envie de prendre l'avion. Non, mais on prend pas l'avion, on va en voiture. On va dans un pays à côté de la France. Bah oui, c'est la Belgique. La Belgique, on va en Belgique. Bah oui. Ah, mais c'est bas de loin. Vas-y, les gars, c'est notre dernier jour. On va aller voir Yacine si vous voulez accompagner. Yacine, Ouais. Mais toi, c'est ça ton problème, tu fais que dormir. C'est le matin, on est fatigué. Dis-leur bonjour, ils sont là, dis-leur bonjour. Oh, Célène, la famille, j'espère que vous allez bien. Dormez, non, je sais pas. Aujourd'hui, écoute bien ce que je vais te dire. 24 heures avant de mourir, avec Myriam, on a décidé d'aller en Belgique. Est-ce que tu viens avec nous? Ah, oh, vous avez décidé d'aller en Belgique? Oui, viens pour notre dernier jour. Ah, moi, désolé, Younes, je vais pas en Belgique. Comment ça? Je suis recherché en Belgique. Comment ça, t'es recherché? Non, je rigole, je suis pas recherché en Belgique, mais. La flemme! Pour ton dernier jour, tu veux rester à la maison? Moi, pour mon dernier jour, je me repose à la maison. Désolé. Écoute, c'est ton problème, Célène. Myriam, attends-moi! Eh, hey, dépêche-toi, c'est bon, t'as mis tes baskets. Il est 9h du matin, on y va, t'as voulu quitter la France. Yacine est en train de dormir, il nous a carna. Je fais des bêtises quand je rentre, je te mets un coup de pied balayé comme ça. A few moments later. On vient de faire 1h30 de route, les gars. Myriam, c'est une haggal, j'en peux plus. Là, on s'est arrêté à une station service. Myriam, pourquoi tu veux qu'on quitte la France? Attends, les toilettes, elles sont payantes. Les toilettes sont payantes. Attends, on va regarder ce qu'il y a. Myriam, là, je te dis, il faut qu'on prenne des forces. Regardez, les gars, il y a des nouveautés. Regarde ce qu'ils ont inventé, des mini cônes en mode glace. Oh, il y a ta pote. Attendez les gars, on va regarder les prix. En vrai ça va, regarde, un Twix extra 2,80€, tandis quoi. Ouais ouais, ça va. Viens, on prend juste un truc, au moins en souvenir. On est obligé, on a fait toute cette route, au moins on prend un truc. Bon. Popcorn, choupa choups, fraises, ça coûte combien? 4€. Oh, mais allô, Myriam, là t'as envie d'aller aux toilettes? C'est payant, regarde, il faut mettre une pièce comme si t'allais faire une attraction, genre. T'as de l'argent? Et Myriam a de l'argent, les gars, pour le dernier jour. Oh, il y a des billets orange, carrément. Eh, mais aujourd'hui, tu vas rentrer à la vidéo, je crois. Carré. Ok, vas-y, va aux toilettes maintenant. Tu veux, carrément, tu dois prendre un... Ah, tu peux pas y aller aux toilettes. Il manque 30 centimes, il manque 30 centimes. Juste pour aller aux toilettes, c'est vraiment une dinguerie. On est garé là, encore de la route pour aller en Belgique. Ton idée, elle était claquée, ton idée. Pas grave, on a goûté. Popcorn à la fraise pour le dernier jour, les gars. En plus, c'est choupa choups, c'est voir comment c'est. Mais c'est du popcorn normal. En plus, j'ai payé ça, je sais pas combien, je crois que je me suis fait arnaquer. Est-ce que ça a le goût de la fraise? C'est grave bon, les gars, ça a le goût de la fraise, c'est grave pas ordinaire. Ah ouais, mais pourquoi ils vendent pas ça en France? On est obligé d'aller en Belgique pour manger ça. Bon bah les amis, on repart pour la Belgique. On se dit à tout à l'heure, j'espère. On va rouler comme un... Non, je rigole, On est bien arrivé en Belgique, mais par contre c'est quoi ça? Mais tu m'as emmené où, Myriam? C'est quoi ça? Mais t'es sérieuse, tu m'as emmené où, ouais? Regardez les rails, il y a un truc des années 1999. Je sais pas, moi c'était pas prévu. C'était notre dernier jour, fallait voir un truc comme ça. Voilà pourquoi je voulais pas faire confiance à Myriam. Téma, elle me ramène où? Il y a un carnaval, frère. Donc c'est pas grave, c'est la dernière journée, les rails, on va essayer de prendre du plaisir en Belgique. Les gars, pour mon dernier jour, moi je préfère me reposer, passer une journée à la maison. Au moins on est tranquille ici. Bon, il serait peut-être temps de se lever. Aujourd'hui, on a prévu quoi au programme? Un peu de sport, beaucoup de gaming et du repos. Oh les gars, c'est le rêve total. Il y a ni Younes ni Myriam à la maison. J'ai la maison pour moi tout seul. Je peux prendre ma douche, je peux me laver tranquille. Il n'y a pas besoin de faire la queue, c'est trop bien. T'abuses, c'est grave stylé la Belgique. Vas-y, moi je te dis quoi, j'ai faim. T'as vu, là j'ai fait de la voiture. J'ai faim, ramène-moi dans un bon brasso belge. Vas-y, viens. Un bon truc, on peut manger des frites, des kebabs, des tacos, ça existe ou pas? Bah oui, ça existe. C'est par où? Il y a même des mitraillettes, c'est par là-bas. Des mitraillettes? Ouais. Ça va pas, on va se faire rater par la police. Mais non, mais du sandwich. Ah ok, vas-y. Pour ton dernier repas, je t'emmène dans le restaurant Jibra TV Black and White. Ah là, je te serre la main. Est-ce qu'on peut prendre toute la carte ou parce que c'est notre dernier repas en vérité? Bah vas-y, prends ce. On prend toute la carte. Vas-y, prends. Non, attends, les gars, il y a quoi? Il y a des menus. Vas-y, on fait notre commande et tu payes vu que c'est la dernière fois. Ah, je paye? Non, tu payes, tout à l'heure t'avais de l'argent. Ouais, mais toi aussi t'as, non? Là j'aime bien, là on va bien manger. Myriam elle m'a bien respecté, donc là on va aller s'asseoir. Parce que t'avais intérêt, hein, parce que là ça a mal commencé la journée. Mais là ça va être carré. Myriam, elle a mal à la tête les mecs, elle a un Doliprane. Avale-le, elle dit, lui prends. Mais comment ça, tu sais pas l'avaler, ouais, tu mets dans ta bouche, t'avales. Comment ça t'avales? Mets dans ta bouche, bois et t'avales. T'inquiète, ça va bien le faire. Parce que les gars, elle a un peu mal de tête, on a fait 2 heures de route. Mais avale. Va demander un gobelet, elle est trop bizarre les reilles, Myriam. C'est bon les reilles, Myriam a pris un gobelet. En fait, je sais pas, elle a une phobie d'avaler les médicaments. Je sais pas pourquoi normalement Doliprane, tu mets dans ta bouche, t'avales. C'est quoi là, c'est quoi que t'arrives pas? J'ai pas envie de mettre. Les gars, on met des gants, c'est assez bizarre, mais en fait j'aime bien, c'est pour pas salir. Regardez la taille des Thunders. Franchement, Ibra TV, à première vue, il a fait un vrai restaurant. On va la tester avec la sauce. Les sauces quoi ça? T'arrives à reconnaître? Curry. Curry, les gars. C'est parti. Un prop smedler. Mais c'est halal ou pas?
Je crois que c'est halal. Franchement, Myriam, je vais te dire la vérité. Hein. C'est pas pour faire genre Ibra TV, je le connais pas du tout. Mais franchement, c'est super, super bon. Tu vois que c'est congelé, tu penses ou pas? Non. Je pense que c'est fait maison. Ça, regarde, tu vois ça là. Oh là 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 là, mais calme-toi, je sais que c'est le dernier fast-food. Si c'était vraiment ton dernier fast-food, ça serait un burger pour toi. J'avoue, les gars, on n'a pas l'habitude de voir ça. J'ai pas confiance d'avoir un burger noir. Oui, mais le pain noir, en fait, c'est que la couleur, c'est du bon pain, t'inquiète. Goûte. Après, si t'aimes pas, faut dire la vérité. J'ai tellement longtemps que pas mangé en fast-food, les gars, les vacances de juillet, août, c'était que sport. Vous avez vu comment j'ai perdu du poids? Que du sport. Le truc, il a un goût de charbon. Ça, attends, là, t'es en train de me dire de la dinguerie, là. Moi, par contre, j'ai pris au poulet, regardez-moi ça. Oh là là, c'est généreux en sauce, comme au quick. On va goûter ça. Bismillah. Ça a pas d'arrière goût, qu'est-ce que tu racontes? Ça a un arrière goût de quoi? De charbon. Ah ouais, de charbon? Donc pour toi, c'est pas validé. Ok, pour Myriam, elle déteste. Moi, je vous dis, hein, moi, je kiffe. La sauce, elle est très très bonne. Ça fait penser au quick. Avec les oignons et tout, c'est une dinguerie. Ensuite, les frites belges, tu sais que c'est les meilleures frites au monde. Ah bon? À ce qui paraît, c'est les meilleures frites au monde, les frites belges. Je vais te laisser tester. Je vais vous montrer, les gars. Ça se voit que c'est pas des frites congelantes, quoi. Regardez. Elles sont bien grosses, bien épaisses. Et en plus, ce que j'aime bien chez les Belges, c'est que là, regardez, il y a la peau. Vous voyez la peau là? Vas-y, je goûte avec toi, Myriam. Là par contre, je vais te laisser dire ton avis. C'est incroyable, les gars, les frites belges, c'est les meilleures frites. Ça fait rappeler des chips avec la bonne sauce. Franchement, tu m'as respecté pour mon dernier fast-food. Merci Myriam, je te serre la main. C'est un câlin carrément. Aïe, ah, t'es en train de me faire ça. Bien évidemment, on est obligé de jouer au foot. On va profiter une dernière fois du terrain, la famille. Même si là, il taille un petit peu. Et c'est pas grave, le football, on peut jouer dans tous les temps. Ok, c'est parti, regardez. Je vais essayer de viser la lucarne là. Normalement, si je suis un pro, j'y arrive. En claquette chaussette. Oh, deuxième tentative, les amis. Cette fois-ci, je m'abandonne pas. Oh, elle est rentrée, commencez pas à dire elle est pas rentrée, elle est rentrée, franchement je suis un pro. J'ai essayé de mettre un panier de basket, et si j'y arrive franchement ça veut dire que je suis trop fort dans tous les sports. Comme les basketteurs. Non, le basket ça a jamais été un truc pour moi, je sais. Moi je vais rester dans le foot, C'est bon, t'as bien mangé? Là franchement je vais dire la vérité hein. Je suis bien, regarde, c'est un bubble tea. C'est un bubble tea géant. Là, ouais. Là du coup on fait quoi pour la suite de la journée? Moi je t'ai fait confiance. Là hein. On va aller dans un magasin, essaye de deviner c'est quoi. Un magasin de bouffe encore? Non. Un magasin de jeux vidéo? Je savais, j'en étais sûr. Je pense qu'il y a des masterclass. C'est là. Ah, c'est là, ok, Game Cash. Dans le magasin, il y a. Ah, il y a des cartes Pokémon. Ah, ouais, des Pokémon grave rares. Peut-être qu'on va trouver le nouveau FIFA, les trucs comme ça. Il y a des cartes Roblox. Tu veux une carte Roblox? Ouais. Elle coûte combien? 200 euros? Non, regarde, il y a marqué 200 euros. 10 euros à 200 euros, tu peux prendre à partir de 10 euros à partir de... Ok, je te pose une question, si tu réponds bon à la question, je te la prends. Sinon, je me prends une carte PSN. Oh. 6 x 8. x 8. 6 x 8, Myriam. 42. Et non, malheureusement, c'était 48. Oh non. Repose la carte Roblox, t'es débile. Comment tu veux que je te prenne des cartes Roblox? Oh, tu sais, Myriam, ça c'est la GameCube. C'est une grosse console qu'on avait avant quand t'étais même pas né, j'étais tout petit, elle est comme ça. Regarde, regardez les consoles d'avant, les Ray. C'était ça là. C'était trop bien. Tu sais que je peux encore l'acheter? Je sais que je peux la racheter, mais viens, on continue. Ah, il y a Mario Géant. Oh, wow. C'est trop bien pour la chambre. Ah ouais, mais c'est notre dernier jour. Wow. Il y a des pop. Une pop, c'est 30 euros. Hein? Par contre, c'est super cher. Hein. Il y a des claviers souris gamer. J'avoue, ton magasin il est stylé. Hein. Regardez toutes les cartes Pokémon. Oui. Waouh. Wow. Il y a Harry Potter. Hey, mais ton magasin il est trop bien, Myriam. C'est quoi ça? Obligé, on ressort avec un truc. Oh, regarde au-dessus de toi. Waouh. Catch. Il y a One Piece, on ramène une Yacine. Regarde ici. Bah ouais, il y a One Piece. Gear 4. Bon, regarde, il y a One Piece là, tout ça c'est One Piece. Oh, regardez la télé. Regarde Myriam, la télé d'avant. Ah. Avant, nos papas ils avaient des télés comme ça, nos papis. Moi je trouve, genre c'est bien, mais c'est trop petit, on dirait un ordinateur. Ils peuvent même pas regarder un match de foot. Oh, ils m'ont fait moi en Belgique. Regardez. Ouais, bah bien sûr. Oh, ils m'ont fait moi. Maintenant, il est temps pour moi de changer d'avis, c'est le dernier jour, on va se faire plaisir. On va aller à JD, vous connaissez JD? Il y en a un en Belgique juste devant moi, et cette fois-ci tu vas payer. T'as de l'argent? Utilise l'argent, c'est le dernier jour, Myriam, t'abuses. Mais moi je veux garder l'argent pour Primark. Ah, tu vas à la Primark? Bah oui, c'est pour mes habits à moi. Personne peut me retenir, hein. Yacine il est pas là, ça va se mettre bien. Non, moi je suis pas trop Adidas, tu connais. Est-ce que moi tu sais je suis quoi? Ouais, là je suis ça moi. Et ça, Max. Attends, viens. Regardez-moi cette paire, regardez-moi ça les gars, elle est incroyable. Myriam elle est déjà partie, regardez, elle est partie au Myriam. Non, j'aime pas ça, j'aime ça, attends, viens voir. Mais attends, de base on est venu pour moi, je comprends pas. Mais attends, mais je vais te montrer mes goûts comme ça. Non, vraiment. Mais je suis venu pour moi, Myriam. Si tu veux m'acheter un truc, je vais te montrer mes goûts. Un peu pour moi, les gars, regardez-moi ça. Il y a un petit Nike Tech. Il est trop moche. Ah ouais? Ok, c'est pas grave. Regarde, c'est en pas dessous. Grave. En dessous aussi, on a un Nike Tech comme ça. Il est grave beau. Mais Myriam, là, c'est le dernier jour, t'es d'accord avec moi? Oui. Il faut un truc épique et dynamique. Donc là, on va se concentrer, on va trouver une masterclass, regardez-moi. Attends, Myriam m'a trouvé la masterclass, donc regardez. J'ai voulu trouver un truc le que personne. Under Amour. Under Amour, hein, ouais, pour ceux qui aiment bien. Et ici, la veste. En vrai, les gars, celui-là, je vais être le seul au monde, vu que je suis en Belgique, personne va l'acheter. France. Prends celui-là. Ouais, vas-y. Attends, on va regarder les prix parce que ça, à tous les coups, c'est 200 euros. 100 euros la veste. Ça fait 175 euros l'ensemble. Tu trouves ça vaut ou pas? Bah oui, c'est Under Amour. Regardez, je trouve une pépite, il est trop beau en bleu. Tu penses qu'en bleu, il est trop beau, Myriam? Il faut que tu trouves des gilets, non? Attends, voilà. Regardez, il est grave beau. Regarde le prix. Le prix. En vrai, ça me dérange pas. Tant que c'est toi qui râles, il n'y a pas de problème. 28 euros. Ça va. C'est un t-shirt. T'as assez en plus, T'as un billet de 50, je poucave. Ouais, mais. Vous, les jeunes, vous voulez pas débourser de l'argent? C'est quoi le problème? Débourser,
c'est, ça, c'est pas un mot, ça n'existe pas débourser. Ok, il y a quoi celui-là, il est grave beau. Ouais, celui-là, c'est une masterclass. Toi, en fait, je sais pas, tu t'es pris pour qui, ça c'est pas pour toi, ça. Pourquoi? Toi, il te faut du rose, du violet, du jaune. Mais j'ai le droit d'être, de porter du noir. Bah vas-y, porte du noir. Vas-y, t'aimes bien? Oui. Ok, mais prends ta taille, c'est bon, t'as pris ce qu'il fallait. Ouais, un jogging. Tu payes, tu payes ou tu vas parler chinois? Je parle chinois. Mais pourquoi, Myria? Parce que moi, je garde tout mon argent pour Primark. Non, on va Primark, tu vas dépenser tout ton argent. Tout. On vient de sortir du magasin, la famille, je vous ai feinté. J'ai pas pris les mêmes habits que je vous ai montré en vidéo. Mais je pense qu'en rentrant à la maison, je vais vous montrer. Maintenant, là, Myriam, j'ai trop soif, j'ai trop faim encore, je suis désolé. Mais tu veux que je fasse quoi, moi? Viens, on avance là-bas, on va chercher un truc. Parce que ton Primark, c'est une épreuve. Non, moi, je vais aller à Primark. Vas-y, bah viens, on va à Primark. Mais viens, je m'achète un truc à boire ou un truc, j'ai trop soif. Vas-y. Ah, j'aimerais bien savoir, Yacine, il fait quoi en attendant? Pour mon dernier jour, je suis obligé de jouer au meilleur jeu de tous les temps, les 2014. Vous devez pas connaître ce jeu, vous connaissez que Fortnite, vous. Ce jeu-là, dites-vous, c'est le jeu de mon enfance. Pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Quand j'étais au collège, je flinguais ce jeu-là pendant les vacances. Pendant toute la journée, c'était trop bien. Regardez, vous ciblez quelqu'un, par exemple, lui. Ok, wouh! Oh, ça, quand j'étais à mon prime, j'arrivais tout le temps à le faire avant. Je suis dégoûté, j'ai perdu. Younes, tu veux jouer? Ah, mais c'est vrai, il est pas là, ils sont en Belgique. Oh, qu'il soit pas là, c'est trop bien. J'ai même pas besoin de me battre avec eux pour jouer. Oh, c'est incroyable. D'ailleurs, je vous laisse avec eux pour voir ce qu'ils font, mais en tout cas, je m'amuse trop bien ici. Où est-ce qu'elle me ramène encore les choses? Oh, c'est une épicerie américaine. C'est une épicerie américaine, bro. T'es content? Oh, je suis choquée. Oh, non. Il y a tous les produits américains. Il y a les chips. Ah, c'est les nuits que je rêve d'avoir. Les nuits que tu rêves d'avoir, 2,70€. Encore une fois, sors l'argent de ta poche. Ok, va le sortir, je l'appelle. Je l'achète. Vraiment? Oh, c'est. Oh, il y a les boissons. Les nouvelles boissons inédites. Oh là là. Et tropicales, regardez-moi ça. Oh, regarde là-haut, il y a grave des nouvelles boissons. Il y a des boissons Meko. Tu peux me trouver une bonne boisson zéro, s'il te plaît? Oh, regarde des boissons Dragon Ball Z. Ah ouais. Il y a des mochi ici. C'est t'aimes quoi, bien ça? Les mochi? Attends, mais je regarde. Oh, regarde les KitKats. Regarde les KitKats. Regarde les KitKats en bas dans des goûts fraises. Wesh. Des goûts différents. Enfin, tu payes. Ah bah, j'ai 20 centimes, je paye. Merci à vous aussi. Au revoir. Hey, j'ai acheté grave des trucs beaux, je m'en fiche même si j'ai payé. Je crois que j'ai payé 9€, donc j'ai donné 10. Et après le sac c'est 20 centimes, ça va. On leur montre la pépite qu'on a trouvée ou pas? Ouais, vas-y. Viens, on sort trop chose dans le magasin. Ouais, c'est vrai ça. Fais gaffe aux voitures. Ouais. Papa va pas te faire vraiment écraser. Ça. J'ai trouvé les trucs de Squid Game. Les gâteaux de Squid Game. On va les faire à la maison avec Yacine, ça va être une dinguerie. Ouais, avec une aiguille, faut la chauffer, faut truquer. Ça va être trop stylé. Les gars, là je prends des forces parce que ce qui m'attend c'est terrible. Myriam veut aller à Primark, le pire magasin. Si vous avez une petite sœur ou une femme ou une cousine, je vous donne une technique, allez vous asseoir et attendez. Mais moi, vu que je suis avec Myriam, je dois assumer. Allez, on prend des forces. Est-ce qu'il y a zéro sucre? Oui, bismillah. T'es sûr de ce que tu veux faire? Oui. Oh les gars, le cauchemar Primark. Purée de pommes de terre, qu'est-ce que je vais rentrer dedans? Il n'y a que des femmes et des mères en famille, et des fous et des feux d'artifice, qu'est-ce que tu fais? Prends un panier. Toi, t'es inhabitué ici. Ouais. Alors, mais comment je fais pour rentrer avec mon sac JD? Bah, tu dis au monsieur. Ok. Bonjour monsieur, on a un sac JD. Il n'y a pas de souci. Merci. Là, on va pas rester là. On et par va contre, il faut un plan. Hein. Commence pas à aller partout, n'importe où. Non, là, c'est le côté femme. Moi, je vais monter là-haut. T'es pourquoi t'es pas enfant. Une femme? T'es un mutant? Non, je suis un enfant. Ah, d'accord. Il est grave beau. Il a la même tête que toi. 5€. Oh là là. Ici, c'est pas JD. Hein. Les prix, c'est incroyable. C'est ici. Bénéfice. Prends excès. C'est vous les TikTokers? Oui. Vous collez? Ah, merci beaucoup. On est également YouTubeur, donc abonnez-vous à notre chaîne Code Familia. C'est ça. Là, on va monter dans les escalators. Mais pourquoi des escalators? Bah, parce que là-haut, il y a encore un autre étage. Oh mon dieu, les gars. Vraiment, aidez-moi sur ce coup-là. Tu vois dans Lincoln là où quand il descend par la rampe comme ça. Les gars, s'il vous plaît, aidez-moi, je vais. Oh, pourquoi Yacine il est pas venu? Pour Primark. Ok. Dis-toi, après on a encore 2 heures de route. Pour les enfants là. Yeah. Ici c'est pour les femmes, après là-bas pour les enfants. Tu aussi j'en manque de pyjama, donc on va regarder. Eh les gars, regardez, c'est grave marrant. Mais c'est quoi ça en fait? C'est des pantoufles. Tu vas vraiment prendre ça? Bah oui, pour l'hiver. Passe de Nike à pantoufles. Ah oui, j'avoue, pour l'hiver ça peut être pas mal. Bah ouais, c'est incroyable. Genre, attends, par contre, faut juste que je trouve ma taille. 30€. Ah non, 6€. Tous les enfants ils sont avec leurs parents. Tranquille, Myriam, on dirait elle a 45 ans, elle est là. Elle prend ses affaires tout seule, elle achète tout seule et c'est grave. Regardez, j'aime trop, elle fait sa vie. Elle prend ses affaires pour l'école. Trouve ce qu'il faut, Régine. Ouais. Ça va, c'est carré. Le panier se remplit? Ouais. C'est bien, machallah. Regarde la queue. Aujourd'hui, on va faire une attraction au parc Astérix. Alors que c'est juste pour. Avance. Alors que c'est juste pour payer. Tu fais tout le temps la queue comme ça quand tu vas avec maman? Mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. La queue, elle est interminable. Là, tu penses que tu vas payer combien? En vrai, 100€. 200€? Non, 100€, je pense plus. Ok, j'ai réussi l'épreuve Primark, let's go! En plus, là, on est posé dans une rue, on fait grave des photos avec tes abonnés, c'est une dinguerie, mais il commence à pleuvoir. Donc, Myriam, là, je te dis qu'on va repartir dans la voiture, on va refaire demi-tour et on va aller voir Yacine. Parce que là, Myriam, j'ai pas envie d'être toute trempée. Ouais, voilà, je commence à être toute trempée, je suis en t-shirt, ouais, viens, on reprend la route là, waouh. Mon dernier repas, j'en ai marre de manger du quinoa, j'ai pas mangé du quinoa. Je vais essayer de tester quelque chose d'autre. Oh, il y a des trésors, céréales trésors. Oh, j'ai trop envie de manger ça pour mon dernier repas. En vrai, mon top 3 de ce que j'aimerais, je
kifferais manger. En 1, donuts. En 2, des cookies incroyables de la boulangerie. Et en 3, des trésors. Donc là, je vais prendre des trésors. On va faire un bol de Kellogg's. Dites-moi, c'est quoi votre repas préféré, vous, dans les commentaires? Bien évidemment, on va regarder un petit peu la télévision. On va profiter qu'on est tout seul à la maison. Regardez, regardez la fonctionnalité incroyable. Oh! Et après, c'est pas fini. Oh! Ça, c'est incroyable, ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Bon, franchement, il y a Netflix, il y a Crunchyroll, il y a plein d'applications. Pour mon dernier jour, je suis obligé de vous montrer mon top 3 des meilleurs maillots que j'ai pu avoir. Donc, je vous directement en numéro 3, je mettrai le maillot de Cristiano Ronaldo, les gars, le nouveau maillot d'Al Nasser. Par contre, dites pas que c'est un faux parce qu'il y a Adidas Al Nasser cette année, ils sont passés chez Adidas. Et d'ailleurs, ce maillot-là, je l'ai acheté sur la boutique Adidas officielle, donc c'est pas un faux. On enchaîne directement avec trop beau en bleu ciel. Franchement, je trouve que Manchester City font des super beaux maillots. C'est certes tout le temps les mêmes, mais ils sont trop beaux, c'est des valeurs sûres. Ah, Younes, il est pas là pour me dire de plier, il déteste ça. Fais ce que je veux, je le remets comme ça. Et en numéro 1, oh là là, le banger, les amis, le banger. Le maillot de l'Inter Miami en bleu ciel comme ça, avec derrière bloqué Messi. Numéro 10, ça c'est mon maillot préféré, il est trop beau. Derrière, regardez comment je finis quand même Haggad, j'ai tous les sacs sur moi. Yassine, il est bien à la maison tranquille. En plus, il pleut, c'est une dinguerie. Donc là, Myriam, je te conseille, on rentre. Là, c'est bon. On rentre. Ouais, on rentre. Moi, j'en peux plus. T'inquiète. On va dans la voiture, on a encore 2 heures de route à se taper. 2 heures à cause de toi, là. On est bloqué en Belgique. On peut. Regarde la pluie, c'est la douche. Fais comment maintenant? Explique-moi, t'as voulu aller en Belgique, on fait comment? Bah, je sais pas, on court. Mais Myriam, il pleut à fond. Regarde, j'ai tous les sacs dans ma main. Appelle Yassine. Attends, mais on peut pas, il est pas en France. Il est pas en Belgique. Ah, ton idée, elle était stupide. Vraiment, ton idée, elle était stupide. Je savais pas qu'il allait pleuvoir, moi aussi. Plus personne dans les rues, tout le monde a taillé. 1 hour later. Ça va? Oh, vous êtes rentré, ça y est? Ouais, on est rentré. Alors, c'était comment la Belgique? Oh là là, et on vient juste de rentrer d'une tempête de pluie, de malade mental. Il y avait une tempête moyenne. Et toi, ta journée, du coup, c'était bien? Oh, bof, un tonnerre à la maison, la galère quoi. Et là, je vais te montrer tout ce qu'on a acheté, c'est vraiment une dinguerie. Déjà, on t'a acheté un cadeau. Ah ouais? C'est une figurine pop plastique. Et regarde, s'il te plaît, regarde, c'est quoi? C'est quoi? Vas-y, ouvre-la. Spoil-le pas, Myriam, s'il te plaît, spoil-le pas. En gros, tu vois, on était dans un magasin de malade mental avec que des. Il y avait tous les jeux vidéo incroyables. Il y avait la PS3, la PS2. Ouah, trop bien! Gear Force! Oh, c'est trop stylé, c'est la transformation de Luffy! Oh, grave stylé! J'avoue, pour le décor, ça c'est pas mal ça! Oui, on l'a acheté combien? 25€. 20€. Bon, il est comme ça là, il tabasse tout le monde, il est rapide, puissant comme Cristiano Ronaldo! Ça, c'est ton manga préféré! Ouais, et puis c'est et du coup, bien. La figurine, elle est bien faite ou pas? Oh, elle est trop bien faite, grave stylé, regardez! Il y a une nouille au fromage comme ça, ultra Des nouilles spéciales de Belgique! Regardez ce qu'on a trouvé, les amis! Est-ce que vous avez la ref? Vas-y, tu peux regarder, est-ce qu'il aura la ref? Oh, Squid Game! Incroyable! Ça, c'est les gâteaux de Squid Game où en mode tu devais découper les. Vas-y, go tester. Ouais, okay. Mais peut-être qu'il y a déjà tout, à l'intérieur, Myriam. Ah, tu penses à les aiguilles? Bah oui, c'est sûr, il y a tout à l'intérieur. Regardez. Un sachet individuel, c'est trop stylé. En plus, c'est au hasard. Vas-y prends-en un au hasard. J'espère qu'on n'aura pas le parapluie parce que c'est grave dur le parapluie. On a 4 à l'intérieur, regardez. Montre. Oh, attends, trop bien. Il y a le triangle, le rond et l'étoile. Et du coup, il y a le parapluie. En fait, il y a les 4 dedans. Le parapluie, c'est pas le parapluie ça? Oh, ça, c'est des sablés en fait. C'est un carré. On essaie de l'écouter pour voir. Genre, on a rien compris au jeu. Bon, en fait, si tu serais dans ce game, tu serais éliminé dès le début, toi, c'est sûr. Bah, allez. Non, moi, je suis pas éliminé, regardez. Pour la peine. Dis la vérité, hein. Si c'est dégueulasse, tu dis c'est dégueulasse. Là, il a un goût. C'est pas bon, t'as le droit de dire que c'est pas bon. C'est un goût de sablé mélangé au fromage. Hein? Ouais. Du coup, une petite note sur 10. En fait, vous avez passé une vraie journée. Hein, c'est non, je crois pas. Non, il y avait de la pluie. En plus, il y a des abonnés qui m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit je t'ai vu à Kiabi. Mais moi, j'étais pas à Kiabi à Mons. Non, c'était nous. C'était vous. Okay, on a fait plein de photos. Ce que j'ai acheté après. Okay. Déjà, pour moi, je me suis acheté un jogging comme ça, Jordan. Mais il est trop grand. Mais non, c'est ma taille. Attendez. Mais c'est ma taille. C'est pas ta taille. Qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est ma taille. T'as pris que ça, toi, Myriam? Non, j'ai pas pris que ça. J'ai pris aussi un pull. Oh lolo. Attendez, on va tester. Ouais. Mais il me va trop bien. Tu te vois pas, laisse-moi l'essayer, moi tu vas voir. Du coup, on a quoi par la suite? Là, attendez, c'est quoi ça? Wesh. Il est de l'acheter. Wouah, North Face. Il est pas incroyable. Mais vous êtes trop gentil, vous me gâtez là, c'est pas possible. Non mais comment ça? La suite, y'a quoi dans la suite? Le pantalon de North Face. Oh là, franchement, ils sont incroyables. Les gars, c'est gênant, faut que je récupère mes habits, moi. Ouais, mais faut que je te dise un truc. Franchement, mon gars, t'as assuré. Oh là là, tu m'as mis Gucci. En plus, c'est ce qu'il me fallait, un nouveau lifestyle. En plus, j'ai maigri, j'ai perdu 2-3 kilos. Déjà là, ça me va trop bien. Ah les gars, vous régalez, vous régalez, la famille. Dire un truc. Non, mais non, t'inquiète pas, y'a pas besoin, vous régalez. Donc, t'as fait 4 heures de route pour te faire voler tes affaires par ton petit frère en plus. Ouais, non, moi ça va pas se passer comme ça, je vais récupérer mes affaires. J'espère que Myriam va aller récupérer nos habits. Par contre, la famille, vous avez vu, aujourd'hui, on a fait des activités. Si c'était vraiment, vraiment mon dernier jour sur Terre, je ferai beaucoup de prières, je demanderai pardon à Dieu, je demanderai pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, s'il y en a bien évidemment. Et puis voilà, c'est le plus important, la famille, n'oubliez pas de faire la prière pour les musulmans, de faire le bien, etc. Parce que le dernier jour, il va vraiment arriver pour l'un d'entre nous. Mais elles ont l'air incroyables, ces nouvelles pattes, les rayons roses. Yulis,
Quoi? Tu n'as pas rendu les habits? Je veux pas rendre les habits? Non. Mais menace-le, je sais pas. Mais... Bon, c'est pas grave, on se met à deux contre lui, je tiens ses bras, je mets un coude et on prend les habits. Non, ah, c'est non, bon, lui, non. Il est chiant. Mais c'est pas comme ça qu'on met de la sauce. Mais c'est comment alors? C'est comment? Comme ça, pour bien prendre toute la sauce, parce que nous, on est des big rats, tu la mets comme ça. Ah, ok, mais pourquoi c'est rouge sang? T'es la première fois que je vois des pâtes instantanées aussi belles. Ah. Oh, en plus, c'est l'heure de la prière. Pourtant, on va aller la faire, on finit de manger. Parce que quand vous mangez, c'est l'heure de la prière. Vous finissez vite fait. Et après, vous allez prier. Donc, vas-y, Myriam, tu vas tester ça. Alors, ultra bon, vraiment. On dirait du fromage. Par contre, c'est chaud, belek. Bismillah. Normalement, faut pas manger debout. Dernier repas. Que on les a payés 5 euros, je crois. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas quand je fais ça. Tu veux de l'eau? Tiens. Encore. C'est bon. Faut la refroidir. Je te refroidis. C'est les pâtes les plus piquantes au monde, je me suis trompé, regarde. Regardez ici, c'est les pâtes les plus piquantes. Oh, chicken, oh, le truc de ouf. Et donc, ouais, c'était au fromage. Ça pique de combien à 10? 10 sur 10. Ça pique sur 10 sur 10. Donc, Myriam, vas-y, va. T'inquiète, va là-bas. Je vais les goûter pour toi. T'inquiète. Vas-y, goûte. T'inquiète, je vais les goûter pour toi. Tu fais quoi? Quoi, tu veux pas? Non. Les amis, on va vous laisser là. C'était une fin de tournage. Je vais faire la vidéo avec vous. N'oubliez pas de mettre un gros like, abonnez-vous. Et on se voit bientôt. Merci pour rendre mes affaires. Merci.